Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène avec moi au hammam de la mosquée de Paris dans le 5e. Alors je suis fan de tout ce qui est hammam, gommage, je suis déjà venue à plusieurs reprises à celui de la mosquée de Paris. C'est parti. Bon, bien évidemment il y a des choses que je pourrais pas vous filmer, mais en tout cas à savoir qu'à la mosquée de Paris il y a aussi un petit restaurant et on peut se restaurer ou tout simplement prendre un petit verre. Bon, avant on passe devant ces petites gourmandises. Alors, vous avez plusieurs formules. Alors donc le hammam il est ouvert tous les jours de 10h à 21h. Vous avez vraiment plein de formules. Alors je crois qu'il y en a une où on peut manger, c'est celle-ci. Vous avez vu, en plus le resto il est vraiment sympa et tout. Il y en a plusieurs, vraiment, vous pouvez prendre une toute simple, mais ça serait dommage, c'est toujours bien d'avoir un petit gommage en plus. Et puis, moi j'aime bien voilà, le gommage, le savon noir, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et donc allez, on récupère une paire de savates. Là, on a eu le gant de massage, le petit savon noir et on a la serviette puisqu'on a pris le forfait à 50€. Donc allez, on va aller au vestiaire, mais vous l'avez compris, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, je ne vous emmènerai pas avec moi dans la salle des vapeurs et au hammam. Allez, on est à l'intérieur, alors vous prenez un petit seau, hein, ça sera pour se mouiller, s'arroser. Donc voilà, en général, ça c'est l'étape pour faire le gommage. Il y a la petite douche après pour se rincer. Alors, on a de la chance, il n'y a personne. Une autre douche et là les bains. Alors je vais pas plus loin parce que c'est très très chaud et d'ici là je sens la vapeur et j'ai peur pour mon téléphone. On la voit d'ailleurs, je sais pas si vous la voyez à l'écran, la vapeur là qui diffuse. Et donc les bancs pour s'asseoir. Et là je crois que je vous ai montré, mais ça c'est le banc, voilà, pareil, un autre banc pour le gommage. Et après à l'extérieur on a des salles pour se reposer et aussi pour le massage. Et aussi une salle pour tout ce qui est soins, épilation. C'est pas terminé, je vais rentrer quand même avec le téléphone. Il y a tout ça là. C'est des petits coins qu'on peut prendre donc pour profiter de la vapeur. En tout cas, c'est bien chaud et c'est ça que j'aime bien. Alors je ne vous ai pas montré, mais au fond du hammam, il y avait une piscine d'eau froide et c'est super agréable. Et donc après un bon hammam, on va manger. Il y a même des menus enfants. Hein. Grillade, entrée, couscous, tagine. Bon, je vous montre un petit peu ce qu'on a commandé pour voir les différents plats. On a pris tagine, aubergine, agneau. Il y a un peu de semoule qui est servi avec. Alors ensuite on a pris deux couscous. Alors la semoule elle est là mais elle est à volonté, la sauce. Et on a pris couscous du chef, donc il y a trois viandes et un couscous méchoui. Alors le dessert et le thé, on préfère le prendre à l'extérieur, il y a une terrasse. Il y a des pâtisseries hein, pour accompagner le thé. Bon, vous les avez sur la carte aussi. Oui. Donc voilà, le thé, la pâtisserie. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de venir soit prendre simplement un thé, manger ou faire un petit hammam. À bientôt.